Bonjour, c'est Cathy. Alors, je reviens vers vous pour un petit tuto. Donc, comment? C'est une vidéo que j'ai vue ce matin et ça m'a donné envie d'en faire pour notre projet de remplir la ludite enveloppe. D'ailleurs, je ne sais plus où je l'ai mise, je l'ai rangée. Enfin, soit, vous vous souvenez de la ludite enveloppe? J'ai dû la ranger, mais elle est trop bien. Oui, je l'ai trop bien rangée, je la retrouve pas. Enfin, soit, c'est pour ça. Donc, je vous montre. Nous allons faire des petits embellissements comme ça pour mettre en album ou comment? Dans un junk. Voilà. Donc au départ, j'étais partie sur un modèle comme ça parce que la dame montre des modèles comme ça. Il y a même des... Comment? Ça s'appelle? Des trombones altérés. Je ne sais pas si j'aurai le temps cette fois-ci. On fera peut-être la prochaine fois. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Donc ça, c'est la vidéo que j'ai vue ce matin. Je vous ai noté le nom. Voilà. Elle fait de super beaux trucs aussi. Donc voilà, donc c'est My Passion for Paper. Je vous en remonte encore une fois. My Passion for Paper. Voilà. Donc là, on va en refaire deux. Et si on a le temps, je vais essayer de refaire, de faire l'emballage pour ranger dedans. Donc voilà. Alors, j'ai commencé par prendre un papier comme support. Normalement, on peut le faire que sur du tissu. Nancy m'en avait envoyé, elle l'avait fait que sur du tissu. Je suis désolée, j'ai ouvert la fenêtre. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Donc là, vous voyez, mon papier est trop grand, je recoupe. Donc c'est le bazar parce que j'ai déjà commencé pour faire tout à l'heure. Donc vous voyez, je le coupe plus petit. Je veux juste que ça fasse un support rigide, quoi, en fin de compte. Et j'encre quand même le derrière, même si ça se voit pas. Ça, on le verra plus puisqu'on va coller quelque chose dessus. Voilà, je regarde si vous voyez bien, parce que tout à l'heure, il s'est arrêté. Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai touché ou pas. Donc j'en profite pour dire bonjour à tout le monde, de vous remercier pour tous vos messages super gentils, de répondre au coucou de Séverine qui va me faire coucou Cathy, parce que c'est vrai que des fois j'oublie. Donc là je vais y penser. Et comment? Faire un gros bisou à Sylvie, faire un bisou à toutes les copines et à vous toutes. Qui est vraiment charmante avec moi. J'ai de super beaux messages. Franchement, c'est très gentil. Ah, je voulais vous montrer aussi, j'ai fait comment? Donc ça, c'est du vernis. J'ai fait un comment ça s'appelle? Ah, j'ai décoré mon bidon de colle. Donc ça s'enlève, hein. Pour remettre sur les autres et là j'ai mis du vernis afin de comment de le décorer. Donc là je vais finir par mettre les décorations. Bon, je crois que la colle elle est trop. Hop, on va la mettre en arrière. Je vais prendre celle-ci. Ouais, j'en fasse un aussi pour celle-ci, mais c'est vrai que la plupart de mes colles, je les stocke à l'envers. Donc quand le bidon est plein, on peut le laisser, mais autrement non. Donc là, je vais les filocher un petit peu parce que moi j'aime bien quand c'est filoché. Donc il y en a que c'est plus facile à effilocher que d'autres. Hein.
Ça, c'est le tissu que Nancy m'a envoyé. Le petit cœur, je l'ai fait avec du tissu à matelas que Nancy m'avait envoyé aussi, mais j'en ai trouvé aussi. Ah mon Dieu, le tissu. Je vous montrerai après, si je me souviens. Donc voilà, je vais vérifier. Oui, ça a l'air d'aller. Tout à l'heure, j'ai dû faire une mauvaise manip. Et ça a collé sur mes doigts. Donc là, je vais mettre du pistolet à colle. Parce que comme je fais en vidéo, ben, faut que ça aille vite quand même. Donc voilà. Donc là, nous avons déjà fait la base. Hein. Ça, c'est pareil, ça va s'effilocher après au fur et à mesure. C'est ce que j'aime bien dans la gaze. C'est le fait que ça s'effiloche. Ensuite, donc tout à l'heure, j'avais mis la dentelle anglaise, la broderie anglaise plutôt. Donc c'est où je mets ça, où je mets ça. Non, je pense que je vais refaire pareil. Oui. Donc je vais commencer. Je regarde d'abord de quel côté. Je crois que c'est celui-là. Voilà. Après, ça sera des embellissements peut-être plus simples, hein, et des embellissements que vous avez déjà vus sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Donc, je vais pas appeler ça des tutos. Ça va être plutôt, je fais avec vous pour remplir et vous montrer quel genre de choses j'aime mettre dans mes loaded. Donc voilà. Alors faites attention de ne pas vous brûler parce que moi je me brûle quasi à chaque fois que j'utilise un pistolet à colle. Donc voilà. Ensuite, je vais remettre celui-là. Donc je vais le découper juste un petit peu. Je ne fais pas trop le français. Bon, j'espère que vous m'entendez. Donc là, je vais utiliser mes ciseaux parce que quand vous le faites avec de la dentelle où il y a des petits trous, ça a tendance à vous brûler, la colle passe. Et je trouve que le fonçage est plus régulier quand je le fais comme ça. Surtout que là, je veux pas que ça soit trop foncé. Donc voilà. Donc voilà. J'espère que j'étais pas trop. Et si, il me semble que j'étais pas trop. Je vais essayer de zoomer. Et tout à l'heure, j'ai fait ça et j'ai perdu. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, pour l'instant, ce que ça fait. Donc j'ai juste superposé deux petites dentelles. Voilà. Donc là, on va remettre celle-ci. Après, il y a celle-là aussi. Mais non, j'ai plutôt envie de mettre ma petite avec les fleurs. Donc généralement, je mesure et je coupe de façon à ne pas abîmer le reste. Voilà. Donc tout ça, vous pouvez le faire à la colle, hein. Moi, je le fais au pistolet à colle parce que j'ai besoin que ça colle pour la vidéo assez rapidement. Mais s'il faut que je commence à mettre la colle normale, s'il faut que j'attende entre deux.
ça va être trop long. Donc voilà. Donc tout à l'heure j'ai mis une fleur comme ça. Là je sais pas si je mets une fleur comme ça ou bon si elle est. On va mettre celle-là. Je crois qu'elle est plus haute que celle de la dernière fois. Moins que je la mette là. Non. Voilà. Voilà. Je vais reprendre. Bon, j'ai les voisins qui parlent. J'espère que vous entendez pas. À défaut de m'entendre. Je stresse du coup, tout à l'heure ça s'est éteint. Chez nous, il fait beau. Encore une belle journée. Hier, il faisait un peu froid, mais aujourd'hui, ça va. Je vais essayer de tourner de façon à ce que je ne sais pas. Bon, on va le tourner comme ça. D'habitude, elles sont pas trop épaisses, mais là, elle y est. Donc, pardon, je suis encore en train de sortir du champ. Voilà. Ensuite, on va prendre un petit mot. On va prendre dans le jardin, vu qu'il y a des fleurs. Donc, voilà. Bon, j'ai fermé un peu la fenêtre parce que j'ai peur que vous entendiez tout. Bon, les voisins, c'est mes beaux-parents, mon beau-frère. Mais bon, il y a du monde. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple, hein. C'est des superpositions de tissus sur du papier. Et ensuite, comment? Bah, on le décore, hein. Comme on ferait avec du papier. Mais je trouve que ça a un genre pour mettre sur une couverture ou sur une boîte ou c'est pas mal. Donc je vais prendre. Regardez s'il y a encore des petits cœurs. J'en ai encore. Juste que je cherche. Donc mes petits cœurs, je les ai à Solstrengreen. Donc là, je sais pas, je vais peut-être en mettre un avec des petits pois.
peut-être celui-là. Voilà. Oui, je pense. Hop. Je vais en mettre un là. Tout en haut. Donc voilà. C'est bizarre, hein, mais j'ai l'impression que mes enfants vont débarquer au moment où je filme. Et je vais peut-être mettre un petit papillon. Alors, tous les petits papillons que j'ai fait en Fimoire Light, ce sont, il y en a qui se sont cassés. Bon, après, c'est simple à remettre, hein, mais faut retrouver le bon, quoi. C'est pas grave, je m'en servirai autrement. Donc là. Donc comme je vous ai déjà expliqué, on évite le pistolet à colle pour tout ce qui est petit plâtre, parce que ça ne tient pas. Donc moi généralement, je prends, bah là c'est de la Cléopâtre Power Cléor que j'avais eu à Foirefouille, je crois. Autrement, bah, il y a la scotch. Et à Action, il y a celle-ci, la bison. Donc voilà, ça filme toujours. Oui, parfait. Et puis là, bah, je vais mettre 2-3 strass. Parce que j'ai envie qu'il y ait un peu de brillant. Je vais en mettre un là. J'ai envie d'en mettre un plus gros. Là. Donc bah, ces strass-là, l'autocollant, il est tellement... fort. Là, vous voyez, on le voit qu'à moitié, s'il est gros, mais j'aime bien. Il est tellement fort que je le laisse comme ça. Et puis, on va en mettre un petit. Hier, j'ai été à Action, j'ai acheté une grosse boîte et j'ai bien aimé les petits qu'il y avait là. Par contre, je me suis pas amusée à les trier parce que je trouve que ça va me mettre un temps infini. Et je vous avoue que je préfère scraper que trier tous les petits strass. Je trouve que vous êtes courageuse de le faire. Mais comme je les retrouve facilement comme ça, voilà. Donc voilà, pour le premier, c'est terminé. Je vous le montre de tout près. Donc vous voyez, j'ai mis un petit cœur, un petit sentiment tapé à l'ordinateur et imprimé. Après, vous choisissez la police, tout. Ça doit être ce que m'a envoyé Loli. Les petites fleurs d'Action, dentelle. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait des embellissements pas mal. Et qui vont assez vite à faire. Maintenant, je vais faire avec vous celui avec le cœur. Donc pareil, on prend, donc là, pour le cœur, c'est de la toile à matelas. Pardon. Que j'avais eu à Mondial Tissu. Donc on va prendre ça. J'ai découpé un cœur. Voilà, mais je l'ai découpé trop grand, donc je vais devoir le redécouper. Donc en avant. Donc là, je prends pas de mesure, hein, je leur découpe un petit peu. On voit à peu près. De toute façon, c'est ce que je dis, le cœur, on le voit pas. Hein. C'est juste pour avoir un petit support rigide. Après, le support rigide, c'est même pas obligatoire, quoi. Hop. Donc je regarde. Voilà.
Moi, je veux que mon tissu soit plus grand. Donc voilà. Ensuite, on va y coller du tulle. Ben, pas du tulle, de la gaze. Voilà. Voilà. Le cœur, je vais le coller à la colle. Voilà. Donc je fais à peu près les mêmes que tout à l'heure. Donc là, je vais effilocher. Et après, je vais couper en forme de cœur, quoi. Hop. Bien sûr, avec une paire de ciseaux à tissu. Une petite coupe comme chez le coiffeur. Donc voilà. Alors maintenant je veux remettre ça. Donc c'est la dentelle autocollante. Je ne sais plus où je l'avais eue, si c'est ce que je sais que j'en ai acheté, mais je sais qu'on m'en avait offert aussi. Et je ne sais plus si c'est celle que j'ai achetée ou celle qu'on m'a offert. Donc bon, c'est pas très grave, vous me direz. Donc voilà. Donc ça, avec les petits cœurs, j'ai pas vu sur la vidéo. C'est en voyant la vidéo que j'ai pensé à faire. Donc je refais pratiquement les mêmes, hein, vu que c'est pour la même personne. C'est d'ailleurs pour personne, mais non. Donc on va redécouper un morceau comme ça. Par contre, oui, puis un morceau comme ça. Donc ça, c'était de la dentelle que Daniel Le Rouge m'avait offert. Et celle-là, je ne sais plus. J'ai des trous. Donc pareil, pistolet à colle. On va essayer de foncer, mais légèrement. Voilà. Je le fais sur le bord parce que j'aimerais bien quand même qu'on voit un peu mon ruban. Je suis sûre que j'étais encore hors champ. Comme je vous ai dit, il n'y a rien de sorcier, hein. Moi, j'ai pas vu de vidéo. J'ai juste vu. Bah, j'ai vu la vidéo, mais je veux dire, il n'y avait pas de tuto. Et franchement, on devine assez bien ce qu'il y a à faire, quoi.
Moi, j'aime bien froncer ma dentelle. Après, il y en a qui aiment bien la mettre droite. Ça, à vrai dire, je vous dirais, c'est chacun comme il a envie. Hein. Bien sûr, j'ai pas pris le bon ciseau. J'avais un petit ciseau pour couper mes tissus. Je sais pas où je l'ai mis. Je chercherai plus tard. Comment je vais encore perdre du temps? J'essaye de pas perdre du temps parce que comment? Je veux vous faire aussi l'emballage et la façon dont je vais les emballer. Je vous avais dit que je voulais tout faire avec vous. Voilà. Si j'y arrive aujourd'hui, je vais essayer de faire plusieurs vidéos pour dire d'en avoir une ou deux d'avance. Parce que c'est pas évident de... Comment? De... J'ai du mal à... Quand je sais qu'il faut que je filme quelque chose, j'ai du mal à... Comment? À trouver ce que je veux faire. Donc c'est pas très facile. Donc tout à l'heure j'avais mis Rose Garden. Donc bon, je vais mettre dans le grenier, ça ira bien. Ça filme encore. Oui. Il y a combien? 27 minutes. Bon, bah ça sera pas encore une vidéo très courte. Je vais essayer de me dépêcher. En même temps, c'est le temps qu'il faut pour le faire, quoi. Au pire, quand vous le ferez, vous vous mettrez en même temps que moi. Encore, j'avais sorti tout ce que j'avais envie d'utiliser. Imaginez si je cherchais au fur et à mesure, ça sera encore plus long. Voilà. Donc là, je vais mettre ça. Voilà. Donc voilà. Je vais mettre un petit nœud papillon. Je le trouve, désolée pour le bruit. Mais là, il y a tout mon tas avec tout ce que j'utilise. Et normalement, il y avait des petits nœuds papillons. Ça, c'est mes bouchons. Bizarre que je ne retrouve pas. J'ai pas... Je les ai pas mis ailleurs. Est-ce que je les ai mis? Ils sont tombés. C'est les petits nœuds papillons qu'on avait eu il y a un moment à Action. Ça, c'est une chose que je me sers, mais beaucoup. Et malheureusement, ils en font pas. Des fois, ils remettent des anciennes collections. Mais là, non.
Voilà. Je vais mettre un petit cœur comme ça. Pareil, ça vient d'action. Voilà. Je vais peut-être prendre un petit bouton. Voilà. Regardez. Et je vais mettre un petit brillant. Celui-là, j'aurais pas mis de papillon, mais bon, c'est pas très grave non plus. Donc je vais en mettre un de là-dedans. Celui-ci. Le mettre là. Il brille vraiment bien. Voilà. Je vais peut-être en mettre qu'un. Ou en mettre mais plusieurs comme ça. Je vais voir. Mettre encore un comme ça là. Donc voilà. Et un rose comme ça, là. Voilà. Avant, dans le scrap, on disait de mettre par trois les embellissements. Une, deux, trois, une, deux, trois. J'essaye des fois. Des fois, ça fonctionne, des fois, non. Une, deux, trois, une, deux, trois. Je le fais sans m'en rendre compte, en fin de compte. Donc voilà. Donc là, je vais mettre sur pause. Je vais juste débarrasser là devant et on va faire ensemble l'emballage. Donc voilà, je vais mettre sur pause. Alors, me revoilà. Donc j'ai choisi mon papier pour mettre mon sachet. Donc pour savoir la dimension du sachet, voilà, j'en ai pas beaucoup plus grand. Je prends. Et voilà, si ça passe, c'est bon. Donc après, on prend la dimension du sachet. Là, je ne l'ai plus. Parce que j'ai enlevé l'emballage. Donc c'est du... Ouais, ça doit être du 15. Là, le sachet fait 15,9. À savoir que le papier, faut qu'il soit plus petit. 15,9 sur 15,9. Donc on va couper notre papier, je vais le retourner et je vais faire à 15, je pense, 15-25, allez, on va le couper en moitié. Donc moi, il va m'en falloir deux, c'est pour ça que je coupe tout de suite. Et là, pareil, on va faire 15, 25 et 15, 25. Voilà.
prends toujours à l'envers mes ciseaux. Je vais prendre mes préférés. Je ne sais pas vous, mais on a toujours une paire de ciseaux que l'on préfère. Moi, c'est mes Fiskars. Je trouve que, bien sûr, je coupe que du papier avec, mais je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, il reste ça. Je sais pas si... Bon, on va voir. On va déjà... Donc déjà, je vais l'ancrer. Mais avant, je vais essayer de voir s'il rentre bien dedans. Donc vous voyez, il y a une petite marge. C'est fait exprès. Je sais pas pourquoi j'ai entamé les deux puisque je vais le faire en vintage photo. C'est vrai que ça j'aurais pu le faire avant. Je vais me mettre un peu plus près de vous pour que vous entendiez parce que je suis sûre que vous avez entendu la moitié. J'aurais pu le faire avant. Mais bon, quand je dis que je fais tout avec vous, je fais tout avec vous. C'est un peu plus long. Après, vous pouvez, comment, pour voir la vidéo, faire avance rapide. Donc voilà, et je vais caler. Donc vous voyez le papier, on ne le voit presque pas. Hein, mais je vais caler mes deux petits... embellissements. Donc là, je vais prendre des glue dots. Alors ça, c'est ce qu'ils ont fait tout au début chez Action. Et qui ne font plus, malheureusement. Je vais en mettre deux. Pour que ça tienne. Ça s'enlève assez facilement. Après, j'en ai dans un rouleau. Mais bon, je termine cela. Je suppose qu'au bout d'un moment, ça colle plus. Donc voilà. Et on va faire pareil pour celui-là. Donc voilà. On l'emballe. Donc, si vous voulez que la personne laisse ses embellissements et puisse les enlever au fur et à mesure, pensez à mettre la fermeture vers le bas, pas vers le haut. Donc, vous voyez, avec l'épaisseur, le plastique se rétracte un peu. C'est normal. Hein. Voilà. Donc, moi, je vais fermer. Voilà, et après on peut faire soit une petite bordure ou mettre un apron. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Ou laisser comme ça. Je crois qu'on va faire une petite bordure. On va la faire assortir. Donc, je vais couper le papier. Voilà. Donc là, c'est un peu plus gros. Hein. Et comment? On va perforer la bordure.
Donc là, je vais en faire qu'une avec vous. Celle pour les cœurs, ce sera la même. Donc là, je vais chercher ma perforatrice. Généralement, je prends celle-ci. C'est une tonique. Celle-ci, je ne sais plus où je l'avais eue. Les autres toniques, je les avais eues à Nose. Mais celle-ci, je ne me souviens plus. Donc voilà. Donc on se passe bien. On se met bien sur comment? Sur les empreintes. Hein. Moi au début, je ne savais pas me servir des perforatrices. J'avais vu une vidéo de secret de scrap, je crois, qui avait expliqué. Qui m'avait pas expliqué à moi, qui avait fait une vidéo explicative. Parce que j'avoue que quand j'ai débuté le scrap, je regardais que ces vidéos. Voilà. J'ai l'impression que ma perfou va me laisser en rade. Moi, j'aime bien faire avec la perforatrice dentelle, mais après, chacun utilise. Il y a des dies, il y a un peu de tout. Donc, je vais prendre ma table mesurée. Donc, il fait deux à peu près, hein, pour que ça soit droit. Voilà. Le plier. Alors vous voyez, c'est pas forcément, c'est pas grave. C'est pas forcément la bonne hauteur. Voilà. Et après, ben, ou on l'agrafe, ou on, comment? Moi, je mets du double face. Généralement. Alors, je vais prendre du double face qui colle bien. Donc ça, je l'avais eu au monsieur anglais à version scrap. Mais là, il est en train de... Il bouge. Donc bon. Oh, ben, j'en ai un là. Entamé. Donc vous voyez, hop, je fais ça. Donc après on peut l'agrafer, en sachant que si on l'agrafe, moi j'ai toujours peur, comment, d'abîmer les créas qu'il y a en dessous. Et là je vais en remettre un deuxième. Qui va fermer totalement. Voilà. Alors. J'espère que cette vidéo ne vous aura pas paru trop longue. Donc, je sais que certaines de mes abonnées aiment bien quand c'est long. D'autres, moins. Mais bon, je ne me vois pas faire trois vidéos de
de 20 minutes par exemple pour un seul embellissement. Il faut penser à couper au bon moment. Et vous savez que moi, je ne vois pas. Ou alors, il faudrait que je me mette un chronomètre. Je sais pas. Donc, on aligne. Et voilà, et rien ne vous empêche de mettre un petit nœud. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre le petit nœud que Nancy. Pardon. Je dis pardon à mon pistolet à colle. Les petits nœuds que Nancy m'a fait. Je sais pas, celui-là par exemple. Que je colle au pistolet à colle. Et voilà. Vous avez votre petit emballage. Après, vous pouvez mettre une petite fleur. Je vous dis, c'est un peu. Après, vous pouvez agrafer et mettre quelque chose sur les agrafes. Moi, les agrafes, j'ai toujours peur de d'accrocher le papier. Donc, voilà. Il y en a pour. Je vois pas. 57 minutes. Est-ce qu'on a le temps? Donc les deux cœurs, ça sera comme ça. Là, on va simplifier la vie. Hop. Voilà. Donc ça serait bien qu'Action nous refasse des glue dots comme ça parce qu'ils étaient vraiment pas chers. Ils vont bien. Ça fait bien. Je ne saurais pas dire, allez, 2, 3, 3 ans que je les ai. Ils collent toujours aussi bien. Donc voilà, je prends un petit sachet. Je ferme. Je trouve que c'est très joli. Et je les mettrai dans la Lodide quand je l'aurai retrouvé. Il faut vraiment que je range parce que j'arrête pas de ranger, mais je range et je retrouve plus. Alors, ah bah si, elle est devant mon nez. Je suis bête. Est-ce que j'ai encore le temps? Bon, allez, on va faire. La bordure, comme ça tout aura été fait. J'ai vraiment l'impression qu'elle va me lâcher. Après, ce que vous pouvez faire, c'est faire comment? En dentelle devant et derrière droit. Je l'ai déjà fait aussi. C'est pas gênant. Donc là, je vais hop, le découper comme ça. Et c'est un peu grand, donc je vais. Voilà. Les ancrer, il y a plein de choses à faire. Après, je vais pas faire tous les emballages de la même couleur, je pense pas, ni de la même façon. Ça dépendra. Je vais me dépêcher parce que je sens que on va me couper la chic.
Voilà. Ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas de machine de pliage, c'est plier dans le milieu comme ça. Et ensuite, vous prenez. Et moi, je trouve que ça déchire le papier. Et puis, la même chose que tout à l'heure, hein. On met du double face. Par contre, celui-là, il faut vraiment bien appuyer pour dire de le faire adhérer. C'est très dur à enlever. Surtout aligner bien. J'ai pas aligné, c'est pas grave. Voilà, un petit nœud. Donc là, ces deux-là, vu que c'est le même genre, je vais mettre la même. Donc voilà. Alors, j'espère que cette première vidéo de comment remplir une loadide vous aura plu. Je recoupe. Vous aura plu. Je vous remontre de plus près. Bon, il y a un reflet, hein. Ce que nous avons fait. Voilà. Et on peut mettre nos embellissements. Donc vous voyez, la pochette est très très grande. On va pouvoir en faire. Donc voilà. Alors sur ce, l'arrange où je l'avais mis. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Dites-moi en commentaire si ben ce genre de vidéo vous plaît et si on peut continuer la série. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis bonne soirée, bonne fin de week-end, parce que demain c'est déjà lundi. Bisous!